Bon, donc un peu c'est un peu de... Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, je crois, va beaucoup vous plaire. Bonne vidéo à vous. Radio. Non, il y en a une, mais j'avoue qu'elle ne fonctionne pas très très bien. C'est un petit peu vieux. On a le moteur qui fait office de radio. C'est vrai. Moderne. C'est vrai. Et les aiguilles, t'as quoi là? Alors, on a la température, on a... Température, là, on a l'huile, l'essence, le contour, le kilométrage. Je pense que le contour est toujours au milieu, d'après ce que je me souviens. Et puis, voilà, rudimentaire, années 80. Je vous mettrai la... technique en bas de la vidéo. Ah, c'est bien ça, bonne idée. Comme ça, je vais apprendre. Non, l'embrayage est très très dur aussi, donc il faut mettre des bonnes chaussures et apprêter ses bras pour l'absence de direction assistée. Les suspensions sont très rudimentaires. Voilà. Un peu tape-cul. Un peu. Vitre manuel, bien évidemment. Et oui. Accélère, on sent qu'elle pousse. Oui, hein.
bien les anciennes comme les nouvelles. Oui, ça. Elles ont chacune un charme différent, hein. Ouais. Marche arrière. C'est comme ça. C'est comme ça. Et il faut avoir un peu de force. Ouais. Voilà. Donc pas de direction assistée. Non. Rudimentaire, petite clé. Rudimentaire. Ouais. On va attendre qu'il revienne pour faire le deuxième tour. C'est parti. Nous repartons avec une Porsche un peu moins vieille. Très bien. Très bien. À tantôt. Deuxième. Deuxième voiture. Boîte manuelle aussi. Et il y a une alarme. Oui, merci que tu me le dis.
un coupe-circuit. Donc, si jamais tu ne fais pas le petit code, elle s'arrête et elle ne démarre plus. Et donc, dès que tu ouvres la portière, que ce soit passager ou conducteur, il faut refaire le petit code. Donc, c'est plutôt un anti-car-jacking, si tu veux. Alors, elle est très très basse, donc il faut faire le moindre 15 vitesses. Elle tire bien aussi. Oui, hein. Il faudrait. Elle est plus moderne déjà. Oui, elle est plus... Ah zut, je voulais aller tout droit à la fenêtre, sinon un peu plus. Attends, je vais ici, si tu veux, je vais t'ouvrir un peu. Voilà. L'ancêtre du GSM. Sonorisé. Là, c'est plus doux, en fait. Tous ces compteurs. Alors, tu as toujours le compte tourné.
à la vitesse. Là, tu as l'essence, la température, l'huile. Bien. Ah, t'as les bibis par rien. Ouais, ici, il y a les bibis. Ils sont là ou pas? Pas encore.
Alors, la clé. C'est très rudimentaire. Aussi, aussi. Il y a deux voitures. Bah. Vous voyez le moteur. Voilà le moteur. Hmm? On ne le voit pas tant que ça, pas tellement. Hein? On le voit pas tellement, mais il est là. Oui, ça. Hmm? La roue galette. Oui. Et le coffre. L'autre. C'est électrique. C'est très bien. Et ça va plutôt vite, dites-moi. Oui, oui. Mais il y a de la place derrière les sièges. Hein. Oui, ouais, tu sais, Martin, qu'il y a deux petites places derrière. Oui. Hein. C'est vrai. Oui, oui. Vous avez une moto. Je t'avance un petit peu. Oups là. Qui fait lui combien de chevaux? 230. 230 chevaux. Le Flat Six. Flat Six, oui. Mm-hmm. Très beau moteur. Oui. Qui a des chevaux? Oui, hein. J'ai les différents cylindres. Des indications pour le réglage du jeu des soupapes. Ça, tu n'as plus sur les voitures modernes. Hein. Oui. Ils branchent leur truc électronique, oui, et ça contrôle tout, oui, tout oui, seul. Oui, oui. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée.